Vous avez vu qui j'ai à côté de moi? J'ai mon copain, le robot pâtissier. Et puis à côté, j'ai mon petit Thermomix. On passe un moment en cuisine aujourd'hui? Ça vous dit? Alors, c'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ma dernière vidéo, j'ai vu qu'elle vous avait plu. Vous avez aimé passer un moment en cuisine avec moi. Alors, je me suis dit qu'on allait recommencer. Donc, aujourd'hui au programme, je vous montre mes chouquettes. C'est une grande première hein, parce que les chouquettes, j'en ai jamais fait de ma vie. Donc, si je les rate, bah, vous allez assister ça avec moi. Et puis, comme j'ai plus rien à manger, enfin, pour le petit déjeuner, je me suis dit que j'avais envie d'essayer des petites baguettes viennoises, enfin des petits pains au lait. Non, c'est des baguettes viennoises. C'est une petite recette que j'ai trouvée sur un site. Je vous mettrai en barre d'infos hein, les références de ce site, c'est sur Facebook. C'est un site de cuisine antillaise. Donc on a un peu de tout. On a vraiment des trucs super sympas. J'ai fait mon premier pain au beurre d'ailleurs avec grâce à ce site. Du coup, bah, je vous mettrai en barre d'infos. Et puis, bah, comme il y a un temps de pouce, je pense que je vais commencer par mes petits pains au lait, en espérant avoir le temps de tout faire aujourd'hui parce que, comment dirais-je? Il est tard. Vous avez vu par contre? Joli petit maquillage, un petit maquillage. Et ça change parce que la dernière fois, vous m'avez eu cool nature. Hein. Donc là, petit maquillage parce que je viens de recevoir une petite commande Morphe. Donc il faut que je teste un petit peu les produits avant de vous en parler. Et ça fait longtemps que je ne m'étais pas maquillée, donc je me suis dit, on va essayer. Donc, pour les ingrédients de ces petites baguettes viennoises. Il vous faut 200 g de lait, c'est-à-dire 200 ml. Il vous faut 500 g de farine. Moi, j'ai pris de la T55. Hein, de toute façon, je pense que c'est pas indiqué dans la recette, mais comme on fait des baguettes viennoises, il me faudra 500 g. La moitié de mon cube de levure fraîche, c'est-à-dire en gros 20 g. 2 œufs. 5 g de sel. Donc, 5 g de sel, j'ai pesé. Ça fait l'équivalent d'une petite cuillère à café. 60 g de beurre doux. Et pour finir, 80 g de sucre blanc. Et donc, on va tout mettre dans notre robot. Hein. Au centre, j'ai fait mon petit puits. Je vais mettre mes œufs. Je vais mettre mon sucre. Je vais mettre mon lait dans lequel je vais diluer ma levure fraîche. Et puis, comme d'habitude, vous savez que nous mettons le sel à côté pour éviter de tuer ma levure. Et puis, je mettrai le beurre au centre. Et on va tout, brou, brou, brou. On va tout, brou, brou, brou. On va tout, brou, brou, brou. J'arrive pas à trouver mon mot. On va tout pétrir. Merci, 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 monsieur robot. Donc c'est parti. Alors naturellement, j'ai pas lu entièrement la recette. J'ai mis du coup ma farine, mes 2 œufs. Il disait de mélanger la farine et les œufs et de rajouter en fait ensuite le lait dans lequel j'avais mis ma levure et mon sucre. À part que mon sucre, je l'avais déjà mis à l'intérieur. Écoutez, je pense pas que ce soit bien grave. Donc pour l'instant, il me reste le sel que j'ai pas mis et le beurre. Et donc on va mettre à pétrir. Et je vais rajouter mon beurre. Alors, j'ai rajouté un tout petit peu de farine parce que vous voyez, je trouve que la pâte elle est drôlement. Elle est drôlement liquide. Du coup. Vous sentez à mon ton que je suis dubitative. En fait, c'est la première fois que je fais. Donc, je me tâte. Je crois que je vais mettre quand même un tout petit peu de farine au pifomètre. Parce que pour moi, elle est trop liquide. Donc, j'en mets un tout petit peu. On va repétrir. On va voir ce que ça donne.
Bon. On va dire c'est bon, d'accord. Le problème, c'est que comme c'est ma première, forcément, je ne sais pas trop quel aspect ça doit avoir. Vous voyez, mon petit tiroir à fourre-tout. Et bah, je vais venir, du coup, bah, remettre la pâte. Mon petit instrument, là, vous savez, un peu magique, qui sert absolument pas à ça, mais que je trouve très pratique. Donc, du coup, bah, je vais venir hop, mettre la pâte dans mon petit saladier. Voilà. Dans mon saladier que j'ai au préalable, comme la dernière fois, fariné. Donc, voilà, je l'ai mis. On va laisser lever hein, une heure. Ils disent une heure, donc on verra bien. Et je vais partir sur les chouquettes. Là, c'est parti pour les chouquettes. Du coup, je vous ai dit, c'est la première fois que j'en fais. J'ai regardé 2-3 recettes. J'ai opté sur une recette. Et puis, j'ai regardé surtout les astuces. Oh, c'est dur à dire ce truc. Les astuces. Donc, il faut mettre dans la recette que je vais prendre, hein, on verra si c'est une réussite, 60 g de lait ou 60 ml hein, de lait, la même quantité au niveau de l'eau, donc 60 g de lait et 60 g d'eau ou 60 ml d'eau et 60 ml de lait. Du lait, alors moi j'ai mis du lait demi-écrémé. Je vais mettre à l'intérieur 50 g de beurre. En fait, on va faire une pâte à choux. Donc, c'est vrai que l'avantage avec le Thermomix, c'est que c'est super, super rapide. Je vais ensuite mettre un sachet de sucre vanillé. Et puis, j'avais oublié 2 petites pincées de sel. Hop, 2 petites pincées de sel. Sucre vanillé, moi je prends celui-ci de chez Lidl. Ensuite, au niveau du timing, il faut mettre 4 minutes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le Thermomix, mais c'est vraiment super sympa. C'était un de mes cadeaux d'anniversaire. Enfin, c'était mon cadeau d'anniversaire où j'avais économisé beaucoup. Et puis, j'avais demandé une participation à toute la famille pour me l'offrir. Donc, et j'en suis vraiment super contente. Donc, 4 minutes. Thermostat 100 et vitesse 1. Donc, du coup, ça veut dire que ça va tout à l'intérieur va chauffer et ça va le beurre va fondre. Ensuite, il va falloir quand la pâte aura prise. D'ailleurs, c'est bon, c'est un truc. Il n'y a pas de farine. Ah, si la farine, je la rajoute après. Ok, je me disais, c'est bizarre, il n'y a pas de farine. Donc, du coup, bah, c'est parti pour 4 minutes. Je vous ai épargné le bruit de la sonnerie du Thermomix. Donc, 4 minutes sont passées. Je vais, c'est super chaud. Je vais venir ajouter les 70 g de farine. Moi, j'ai pris de la T50, non, de la T45 pour faire mes chouquettes. Et puis là, on nous dit de remettre 1 minute 30. Donc, c'est chaud. Donc, 1 minute 30. J'ai la recette sous les yeux. 1 minute 30, donc vitesse 3. Et puis c'est tout. Vitesse 3. Et on mélange. Ensuite, je pense que vous m'entendez quand même, il faudra rajouter, alors la recette dit 3 œufs, mais il y a une astuce qui dit qu'il ne faut pas que ça dépasse les 125 grammes. Et je regarde beaucoup les commentaires dans ces cas-là, hein, beaucoup disent qu'il faudrait en fait plutôt mettre que 2 œufs. Donc j'ai pesé mes 2 œufs et mes 2 œufs font 115 grammes. Donc un œuf à 10 grammes, ce n'est pas possible. Donc, il faut les rajouter ensuite dans notre pâte. Donc là, c'est la pâte à choux hein, qui est en train de se faire. Et il faut attendre en fait que ça redescende à 50 degrés. Comment je sais moi que ça descend à 50 degrés?
petite astuce, j'ai lu qu'il fallait en fait que la lumière redevienne verte. C'est-à-dire que là, en fait, c'est rouge. Et à partir du moment où c'est vert, c'est-à-dire que c'est descendu en température, on pourra rajouter nos œufs au fur et à mesure. Il nous faudra ensuite les petites graines, là, les petits sucres à chouquette pour former nos chouquettes pour le goûter. Mon four, pour l'instant, il est en préchauffage. J'ai mis 190 degrés à chaleur tournante. Et puis là, dans 10 secondes, ça sera terminé. Allez, je vous mets quand même le bruit. Ça veut dire que c'est terminé. Donc, je vais attendre que la lumière devienne verte pour pouvoir incorporer mes œufs. Alors, on va faire un petit peu d'histoire. J'ai lu que c'était les chouquettes. C'était pas vraiment des chouquettes à l'époque. Ça datait du 16e siècle. On en trouvait à la cour de Catherine de Médicis et que c'était le chef cuisinier italien Popelini, qui en fait faisait une sorte de pâte sèche comme ça, de pâte à chaud. On appelait ça du coup les popelins avant que ça devienne pâte à chaud et que ensuite ça évolue en chouquette. C'était la minute culturelle. Ça y est, c'est devenu vert. Donc du coup, il faut remettre 1 minute 30 et rajouter un œuf toutes les 15 secondes. Donc c'est parti. Et la vitesse, je crois que c'était la vitesse 3. On nous dit de prendre une poche à douille. Moi, j'ai pas de poche à douille. Alors, du coup, ils disent de prendre une petite cuillère à café. C'est ce qu'on va faire. C'est notre première. Donc, pour la première, on va se la faire cool à la petite cuillère. Et puis ensuite, il faudra mettre ces petits grains à chouquette. Du coup, hop, je vais amener ma plaque à pâtisserie. J'ai mon petit café. C'est terminé. À l'intérieur, j'ai une superbe pâte à choux. Alors c'est vrai que je pourrais la mettre dans une poche à douille. L'avantage, c'est que ça nous ferait un superbe truc. Bon allez, je vais chercher une poche à douille. Je suis dégoûtée, mes poches à douille, elles sont dans un tiroir et le tiroir est coincé dans le garage avec tous les vélos dessus. Du coup, tant pis, pas de poche à douille. On va faire ça à la petite cuillère. Ah, je suis désolée, mais c'est pas grave. Allez, on va faire des petits tas. C'est vrai que ce sera du coup peut-être un peu moins joli, mais bon. Là, le but étant déjà d'avoir un superbe goût. Donc, c'est de faire des petites boules. Vous voyez comment je procède? Non, vous voyez strictement rien. Vous voyez, hop, je fais mes petits tas. Mes petits tas. Tranquillou. Moi, par le premier essai où c'est un peu la crotte qui tombe dessus. Allez, c'est parti pour le reste. Bon, bah écoutez, je pense qu'avec une poche à douille, ça aurait été quand même largement mieux. Parce que là, ça fait des petits tas de crottes. Mais bon, déjà l'essentiel c'est de tester si la recette elle est bonne et puis on verra bien. Donc là je vais enfourner pour un quart d'heure à 190 degrés à chaleur tournante. Et donc dans les astuces que j'ai vues, c'est de ne pas ouvrir le four tant que c'est pas cuit. Donc pendant un quart d'heure de les regarder, sauf si je vois que c'est noir et j'ouvrirai. Et puis ensuite, pour éviter qu'elles ne redescendent, parce que logiquement, si j'ai réussi, elles vont gonfler, il faut laisser dans le four 5 à 10 minutes, ouvrir le four et les laisser 5 à 10 minutes dans le four porte ouverte
Donc, on va voir ce que ça donne. C'est cuit. Par contre, en fait, j'ai été obligée, normalement c'était un quart d'heure à 190 degrés. Là, j'ai quasi mis 25 minutes à 190 degrés. Et puis, bah, du coup, là, ce que je suis en train de faire, c'est comme ma petite astuce, je laisse 5 à 10 minutes dans le four éteint pour éviter qu'elle ne s'aplatisse. Regardez, sentez comment ça sent bon. Bon, bah écoutez, maintenant, il n'y a plus qu'à les déguster. Hein. Donc, le seul défaut, finalement, de cette recette, je dirais, c'est le fait qu'il n'y en ait pas beaucoup. Par contre, vous avez vu la simplicité pour la recette. Donc, regardez si j'en prends une. Elles sont bien moelleuses, elles n'ont pas baissé. Donc, je vous mettrai en barre d'infos la recette. Et, en tout cas, les ingrédients. Et puis, sinon... On va peut-être partir sur mes baguettes viennoises parce que mine de rien, là, elles devaient reposer une heure et on a dépassé une heure et demie. Bon, regardez comment on l'a bien levé. On est pas mal, hein. Donc, on va continuer la recette. Donc, dans la recette que j'avais lue, il faut faire 4 pâtons identiques et... Donc, je vais la travailler quand même un petit peu. Et elle est bien souple. Hein. Hop. Donc, ils disent de faire 4 pâtons identiques et de refaire lever la pâte. Je vais finir un peu parce que là, pour éviter qu'elle ne colle. Donc, vous avez vu hein, par rapport à la recette de base. J'avais rajouté un petit peu de farine parce que je trouvais qu'elle collait trop. Donc on va dire que c'est à peu près rond. Je vais prendre un couteau et je vais la diviser en 4. Le but en fait étant de faire 4 baguettes identiques. Et quand vous voyez qu'elle recolle, hein, on remet de la farine. Donc, j'aurais pu prendre un petit plateau quand même. Moi, je me demande. Allez hop, c'est parti. Voilà, on va faire 4 petites boules. Donc toujours bien farinées hein, pour éviter qu'elles ne collent. Un cap identique. Il y en a une un peu plus grosse que l'autre, c'est pas grave. On en fera une baguette. Donc on attend... Une demi-heure, je vais les mettre sur un plateau, ce sera quand même beaucoup plus simple. Coucou! Hop! Je vais les mettre sur un plateau. Je vais les faire avancer, hein. Voilà, comme ça. Hop, je vais les laisser reposer une demi-heure. Ok, donc là, ça fait une demi-heure. Vous avez vu? Ça a bien levé une nouvelle fois. Donc, il va falloir écraser et puis rouler en forme de baguette. Challenge. Là, ça va se casser la figure. Je vais juste poser, histoire de mettre un petit peu de farine sur mon plan de travail. Et puis, je vais venir poser, hop, une pâte. Hop, alors... Écraser pour dégazer et puis j'aurais peut-être dû regarder un tuto sur YouTube pour comment on forme une baguette. Bah comme ça, je suis pas sûre. Ouais, c'est baguette viennoise donc je vais pas les faire plus. Je sais pas si je les. On va les faire un peu plus. Hop.
Eh, c'est pas mal, non? Petit pain viennois, tranquillou. Alors, je vous montre. Il faut ensuite les mettre dans un moule à baguette. Vous voyez, c'est ça les moules à baguette. Donc, moi, je vais le recouvrir d'une petite plaque sulfurisée. Je vais recouvrir ça d'une plaque sulfurisée de façon en fait à que ça accroche pas. Hein. Ça, c'est, vous savez, les petites feuilles qu'on trouve chez Action. Bah, écoutez, c'est parti pour ma première petite baguette. Je pense qu'on va rester comme ça sur la forme. Je reprends une deuxième boule. Et puis, je vais faire exactement la même chose. Je dégaze, je roule. Et je vais essayer, du coup, de reformer une baguette. Donc, regardez, c'est ce que ça donne. Donc, du coup, il faut le faire poser une heure. Et puis, pour que ça lève une nouvelle fois. Et puis, on verra ce que ça donne. Donc, pendant que c'est en train de lever, je vais vous proposer de vous montrer comment je fais maintenant mes nuggets. Puisque les nuggets, je les fais moi-même grâce à Martine. D'ailleurs, si Martine, tu passes par là, je te fais un petit coucou. Et n'hésitez pas, elle travaille chez Tupperware. Hein, et du coup, elle a une petite chaîne YouTube qui s'appelle Les recettes rapides de Martine. Je crois que je la suis depuis ses débuts. Et c'est elle qui avait posté d'ailleurs cette recette. Il y a, c'est l'année dernière maintenant, je crois déjà. Et en ce moment, avec le confinement, elle faisait des lives à 15h. Alors, pas tous les jours, hein. Il y en avait à peu près 3 par semaine ou 4, je ne sais plus. Et maintenant, ça va passer à 17h. Notamment, elle a fait une vidéo. Je n'ai pas pu la regarder. Généralement, je la regardais en même temps. J'essayais de bosser en même temps que je la regardais. Et elle a fait une recette de pâte à pizza liquide. Et j'ai vu le résultat sur son Facebook de la recette. Je me suis dit que ça devait être super sympa. Il faut que je regarde la vidéo pour voir. Enfin bref, tout ça pour vous dire que du coup, depuis que j'ai vu sa vidéo sur comment elle faisait ses nuggets, je ne fais que cette recette-là de nuggets. Du coup, je vais la partager avec vous. Et je vous mettrai en barre d'infos le lien de la chaîne de Martine. Ses références, comme ça, vous pourrez aller la voir. Elle a plein de petites recettes qui sont sympathiques. Donc, c'est parti pour les nuggets qui seront donc le repas de ce soir. Donc, nous sommes 4. Du coup, j'ai mis à l'intérieur 500 g de blanc de poulet. Alors, vous pouvez prendre des aiguillettes de poulet, vous pouvez prendre du blanc de poulet. Là, c'était du blanc de poulet. Et puis, vous voyez, hein, j'en ai coupé des petits morceaux de façon à faire des petits nuggets. Vous allez rajouter dedans 100 ml d'huile. Alors moi, je mets de l'huile d'olive parce que, comment dirais-je, je suis très huile d'olive. Je vais mettre ensuite 100 g de chapelure. Donc la chapelure, hein, ça c'est de la chapelure faite maison. Rien de tel, hein, le pain dur, hop, vous le jetez pas, vous mixez, il n'y a rien de tel. C'est la meilleure des chapelures. Et puis, le petit secret de ces fameux nuggets. Les enfants, ils ont l'impression que c'est les nuggets qui sortent de KFC, à part que c'est largement meilleur. Pas largement, c'est une question de goût. Hein. Moi, je sais ce qu'il y a comme poulet à l'intérieur. Il faut mettre de la soupe à l'oignon. Vous achetez simplement un sachet de soupe à l'oignon. Donc ça, moi, j'en ai toujours en réserve dans le placard, à part que c'est mon dernier sachet. Hop, vous mettez votre sachet. Vous fermez votre tupperware, votre boîte en plastique, hein, peu importe. Et là, vous allez vous amuser à tout mélanger. Alors, vous pouvez faire ça dans une boîte, vous pouvez ça également faire ça dans un sac plastique. Hein. Des fois, moi, je fais ça dans un sac plastique directement parce que souvent, je congèle ma viande. Tout ce qui est poulet, je congèle. Et puis, je mets directement mes ingrédients dedans. D'accord. Alors là, j'ai un doute. Je ne sais plus si elle met tout d'un coup ou pas. Moi, généralement, je mets tout d'un coup. Voilà. Donc, vous voyez, regardez. Et du coup, vous allez avoir vos nuggets qui sont imbibés avec l'huile et puis la chapelure et tout. Tout est imbibé. Du coup,
moi, je vais refermer. Je vais mettre ça au frigo. Comme ça, au moment où je devrais le faire cuire, je vais remélanger un petit coup. Au moment où je devrais le faire cuire, bah, ça sera nickel. Et puis, bah, du coup, pendant que mes baguettes, elles cuisent. Non, qu'elles lèvent. Il faut d'abord qu'elles lèvent avant de cuire. Pendant qu'elles lèvent, ça, mon repas de ce soir, il est fait avec une salade de tomates. Ça sera nickel. Je vais me changer. Je vais allumer la télé. Je vais me faire une petite séance de sport. Et bon, on se revoit après. Hey, hey, regardez, une vraie sportive. Et ouais, la fille, elle va faire un peu de sport maquillée. Écoutez, je suis tellement contente de m'être maquillée aujourd'hui. Donc, on va voir d'ailleurs ce qu'il fait hein, au bout de... Alors, pas tout à fait une heure parce que ma séance, elle fait 27 minutes. Et après, je fais des étirements parce que j'ai un petit début de sciatique. Donc, on va dire... Allez, 26, 10, 40 minutes, un peu moins de 40 minutes. Du coup, bah forcément, vous vous doutez bien que mes baguettes, elles vont attendre. Bon, bah on se retrouve. J'avais une excuse pour arrêter ma séance de sport. Non, et je me suis dit, allez, sinon, bah voilà quoi. Bref, on regarde. Ouh, il est peut-être pas très bien là. Si. Alors... Hop là, c'est parti mon kiki. Donc, elles ont levé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que mon four est en train de préchauffer à 220. Je vais venir faire des petits stries. Hop. Et ma baguette viennoise, c'est plutôt comme ça, les stries. Voilà, mes petits stries. Si vous avez une lame de rasoir, hein, vous savez, c'est super pour faire les stries. Quand j'avais une machine à pain, c'est ce que je faisais. Donc, ensuite, j'ai pris un jaune d'œuf. Hein, vous voyez, regardez, j'ai mis un tout petit peu de lait. Et je vais venir étaler sur mes baguettes viennoises. Donc, normalement, c'est que 10 minutes. Apparemment, ça cuit super rapidement. Donc, on va voir ça. Hop. Donc je badigeonne, je vous ai dit un jaune d'œuf. Si vous avez des envies de petites recettes particulières, dites-moi les en commentaire. Hein. On ne sait jamais des fois que, bah, des fois que je sache les faire. D'accord. Et puis vous me direz s'il y a des recettes que je fais, que j'essaye. En tout cas, j'étais super contente parce que j'ai découvert des abonnés. Qui du coup ont laissé un petit commentaire, c'était super sympa, des personnes que je n'avais encore jamais vues, hein, peut-être des nouvelles, je ne sais pas. Et en tout cas, ma vidéo a eu un superbe accueil, j'ai trouvé ça super sympa. C'est cool de pouvoir changer comme ça, parler du maquillage, de faire des hauls, de parler de cuisine, d'être avec moi dans mon quotidien. Donc voilà, donc j'enfourne 220, 10 minutes et on voit après ce que ça donne. Et puis, je vais retourner suer un petit peu. Regardez comment elles sont belles. Elles sont quand même super jolies, quoi. Donc, je vais les sortir du four et je vous les montre après parce que j'ai toujours pas fini mes séances de sport. Donc, c'est sorti du four. Regardez. Elles sont vraiment mais moelleuses. Allez, je vais en ouvrir une pour voir. Et regardez l'intérieur. Donc, je pense qu'on est... Ouh, c'est un peu chaud, c'est chaud. La fille, elle vient de faire du sport, là, et elle se mange la baguette viennoise. Ouais, mais justement, les lois. Comment vous dire que je vais la noter, je vais la refaire, cette recette, parce que c'est trop bon. C'est trop bon. Bon, je fais la douche, je me change, parce que maintenant, j'ai apéro. Oui, avec les copains en visio. C'est pas tous les soirs, d'accord? C'est souvent. Et voilà, je vais clôturer. Regardez mes nuggets, comment ils sont sympas. Bien dorés, nickel. Je vais essayer de vous en attraper un. Regardez, ça c'est du nugget fin. Donc j'espère que cette petite journée avec moi vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous disais, s'il y a des recettes que vous avez faites ou vous voulez que je fasse, pourquoi pas, ça me donnera des idées.
Et puis, surtout, partagez plein de likes. Et puis, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.